Nous sommes la coalition climat créée pour porter la voix des citoyens lors de la COP21 en 2015. Depuis, nous avons travaillé à une échelle plus locale. Nous pensons que notre contribution a toute sa place dans le futur plan climat. À l'heure de la COP23, nous devons collectivement faire face à l'urgence et répondre à l'exigence de justice climatique. Récemment, nous avons organisé des ateliers et un événement qui a rassemblé 120 personnes, dont beaucoup de jeunes. Nous avons alors précisé nos propositions sur les 4 thèmes impliquant le plus les habitants citoyens. Nous souhaitons que vous, partenaires de la métropole, vous preniez les moyens nécessaires à la réalisation de la transition énergétique et climatique de notre territoire. Voici les 4 thèmes. En termes de déplacement et de mobilité, si nous faisons une série de propositions, ce n'est pas tant une initiative particulière qui serait à elle seule en capacité de modifier radicalement la donne. C'est plutôt l'articulation, dans le même temps et le même périmètre, de mesures fortes sur des objectifs qui sont en fait déjà connus. C'est d'une part l'augmentation et l'amélioration qualitative de l'offre de transport en commun. C'est un effort pour développer les aménagements pour les modes actifs. C'est le renforcement des mesures encourageant le covoiturage. Mais c'est aussi, inévitablement, la restriction de la place de la voiture en ville, avec notamment l'extension des zones piétonnes, les zones de rencontre, les zones 30, et la création de périmètres sans voiture à moteur thermique. En fait, c'est avant tout un changement d'échelle qui est nécessaire sur l'ensemble de ces terrains pour réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre et de polluants. Pour le développement des énergies renouvelables, la transition zéro fossile en 2050 est possible. C'est viser 100% d'énergie renouvelable et diviser par 2 la consommation d'énergie grâce à la sobriété et à l'efficacité énergétique. Pour le plan climat, c'est changer d'échelle dès maintenant, ceci sur tous les leviers de la production d'énergie renouvelable. Il s'agit d'informer, communiquer à tous les acteurs par un plan objectif, méthode de production, rôle des aides, incitation à faire appel aux énergies renouvelables. Il s'agit aussi d'accompagner les projets au plan technique et au plan financier, et aussi d'obtenir des espaces en toiture pour le photovoltaïque, notamment pour toits en transition. Il faut aussi mettre en place des partenariats de production d'énergie renouvelable hors zone urbaine, comme l'a fait la ville de Francfort. Quant à la rénovation énergétique des logements dans les 10 années à venir, il est nécessaire d'être beaucoup plus ambitieux. Alors nous proposons d'accroître les ressources financières avec la création d'une agence publique de financement de la rénovation. Elle serait chargée de prêter aux bailleurs sociaux à partir de fonds d'origine publique garantis par la métropole. Et pour les copropriétés, il faudrait impliquer les syndics avec des prêts d'origine bancaire. Alors pour cela, il est nécessaire de renforcer et d'améliorer l'encadrement technique et social de ces opérations de rénovation, en s'appuyant fortement sur la plateforme EcoRénov et tout en accroissant ses moyens, bien sûr. En effet, il est essentiel et prioritaire d'assurer l'information et la formation des habitants et de tous les habitants, c'est-à-dire avec ceux qui subissent des situations de précarité énergétique, et faire en sorte qu'ils soient pleinement acteurs et bénéficiaires de la rénovation. Nous proposons que le prochain plan climat comporte un important volet alimentation du double point de vue climatique et social, ce volet constituant une nouveauté du fait du passage à la métropole. Nous avons 2 propositions principales. La première, changer d'échelle en restauration familiale avec prise en compte des publics prioritaires. Il s'agit d'articuler au sein de nouveaux circuits de type filière de proximité l'accroissement de la production et la transformation de produits de qualité et de proximité et de nouveaux modes de distribution. La seconde proposition vise à poursuivre et intensifier les politiques actuelles en restauration collective, publique, en termes de proximité et de qualité. Il s'agit donc de mobiliser dans le cadre d'un plan l'ensemble des structures concernées. La restauration collective publique peut aussi contribuer à la structuration de filières et au développement de la production de proximité. Aujourd'hui, nous prenons la parole. En tant que citoyens, habitants, salariés, parents, nous sommes prêts à nous investir et à participer à la transition par nos actions. Nous comptons sur vous pour être à l'écoute, pour nous encourager et permettre ces actions. Et dans ce cadre, nous souhaitons fortement la mise en place d'un comité citoyen de propositions et de suivi. Merci.